Pascal Petit, Gianni Esposito, vous commencez une tournée en Suisse romande avec le bal du lieutenant Helt. On vous voit comme couple sur la scène. On vous a vu plusieurs fois comme couple sur l'écran. Et deux fois. Et vous êtes aussi un couple dans la vie. Oui. Et comment s'organise la vie d'un couple de comédiens? Eh bien, la vie de notre couple, en tout cas, parce que celle des autres, je ne la connais pas très bien. Nous, nous vivons à la campagne, à 34 kilomètres aux environs de Paris, dans la vallée de Chevreuse. C'est-à-dire, nous y sommes très peu souvent, finalement, dans notre maison, parce que nous partons souvent pour tourner des extérieurs, dans des films, ou en tournée, comme c'est le cas maintenant. Enfin, notre port, c'est le silence et la paix de la campagne. Je crois que c'est nécessaire pour notre vie, notre genre de vie, d'avoir un lieu de calme où on peut se recharger. Mais je crois que vous avez un enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Une petite fille de 6 mois. Et vous avez dû la laisser à Paris, alors, pendant cette tournée? Oui, bien sûr, parce qu'elle est un peu petite pour l'emmener en voyage. Quand on fait 300-400 km par jour, comme elle n'a que 6 mois, je crois que ça poserait des problèmes. On avait au début, d'ailleurs. On avait pensé l'emmener en Suisse, parce que les distances entre les villes sont... c'est très peu de choses, finalement. Oui. Mais il fait quand même un peu froid. Les différences de température, tout ça, c'était... Et est-ce que vous faites passer alors la vie professionnelle par force avant la vie de famille? Je crois qu'il faut savoir s'organiser et laisser une part harmonieuse à la vie professionnelle, à la vie de famille, enfin, essayer de concilier les deux. Nous l'avons dit tout à l'heure, vous avez tourné ensemble 2 fois, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que je pourrais vous demander, Pascal Petit, qu'est-ce que vous préféreriez, jouer dans un grand film seul ou jouer dans un film un rôle moins important peut-être, mais avec votre mari? Eh bien, je crois moi, que... Moi, je serais le premier à lui conseiller de jouer le grand film. Enfin. Moi, j'adore jouer avec mon mari parce que nous nous entendons très bien au point de vue comédien, enfin, ça colle très bien. Mais je crois quand même qu'il ne faut pas trop tourner ensemble parce que le public se fatigue de voir toujours les mêmes personnes. Et puis ensuite, je crois que c'est toujours la qualité qu'il faut choisir avant tout. Il faut mettre la qualité avant les sentiments dans le métier, je pense. Que pensez-vous de la télévision? Ah, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup la télévision en direct, justement. Contrairement, je crois, à beaucoup d'acteurs. Je trouve que le comédien... au fur et à mesure qu'il joue le soir en direct, il découvre des choses en lui et il fait vraiment le maximum. Et précisément à cause de cette difficulté qui est réelle, oui. Je ne le nie pas. Et Pascal Petit, c'est bien la première fois, n'est-ce pas, que vous montez sur une scène, ou en tout cas depuis assez longtemps, avec le bal du lieutenant Helt? Oui, c'est la 2e fois, oui. Et est-ce que vous aimez le théâtre? Oui, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup.